crise des astres pour le Bélier en janvier 2021. La première semaine va vous paraître, cher Bélier, un peu dure ou même perturbante. Et c'est à cause de la rencontre de Mercure, Neptune et du Soleil en Capricorne, qui sont des planètes à aspect dissonant avec Mars, qui est toujours, malheureusement, dans votre signe. Votre situation financière vous préoccupe à partir du 7 janvier, avec le transit de cette planète en taureau et qui suggérera des négociations liées à un rendement financier. Cependant, Vénus, qui est la planète de l'argent par rapport à vous, passera en Sagittaire au début du mois et vous promettra une prospérité dès la deuxième semaine. L'astrologie vous promettra de même un soutien qui viendra de diverses sources, d'une banque par exemple, ou d'un pays étranger, qui ont confiance en vous et en vos capacités. Votre bonne réputation contribuera à attirer les investisseurs. Vous lancerez avec beaucoup de vitalité un projet important avec vos amis, et cela grâce à la présence de Saturne et de Jupiter en Verseau, surtout ceux nés dans le premier décan. En outre, vous progresserez dans un domaine scientifique, culturel, politique ou créatif. Vous envisagerez l'avenir avec confiance, tandis que ceux qui sont nés dans le deuxième décan, ils protégeront leur vie intime, loin de la curiosité des autres. Vous allez rencontrer de nouveaux défis et aspirer à atteindre un objectif insaisissable. Méfiez-vous cependant des investissements à haut risque et soyez prudent face à une offre potentielle entre le 8 et le 20 janvier. La seconde moitié du mois est pleine de promesses. Si vous appartenez au monde de la littérature, de l'art et du média, vous trouverez l'inspiration partout. Vous proposerez des idées attrayantes et innovantes qui seront admirées par tout le monde. Vous trouverez, cher Bélier, aussi l'amour durant la première semaine. Profitez de cette période pour éveiller l'intérêt des autres, pour révéler vos sentiments ou pour courtiser quelqu'un que vous aimez. Vous pourrez également faire la rencontre d'une personne très spéciale. Beaucoup de béliers vivront une histoire d'amour entre le 1 et le 9, avant que Vénus ne transite en Capricorne, mais vous pourrez sentir peut-être que ce n'est qu'une attraction physique. Mars en taureau et Vénus en Capricorne vous rendront plus réaliste et enclin au tangible, au sensuel et aux relations sexuelles occasionnelles. Vous serez instinctivement attiré par quelqu'un sans parler de l'amour, ni de promesses, ni d'engagement. Méfiez-vous des relations suspicieuses et des scandales qui pourraient s'en suivre. Contrôlez vos pulsions si vous n'êtes pas célibataire. Néanmoins, les astres vous promettent une véritable histoire d'amour qui sera inattendue pour certains au cours des 10 derniers jours. Quant aux relations sociales, elles contribueront à améliorer votre situation professionnelle d'une manière ou d'une autre. Tandis que Mars s'approche davantage d'Uranus en taureau, entre le 18 et le 21 janvier, et suggérera une période tumultueuse, pendant laquelle il faut éviter le stress, les risques et la colère. Mais vous semblerez heureux pendant cette période, puisque vous rencontrerez de nouveaux et anciens amis. Maintenez votre santé, surtout au cours des 3 dernières semaines, et étudiez calmement votre situation, afin de prendre la décision appropriée concernant un régime alimentaire qui vous protégera des maladies.